Le centurion. Attends. Quoi? Deux scoops. Ils disent de prendre deux scoops. Ça recommence. Non. Non. On va tous crever. Bonjour, bonjour. Fly. Bien dans l'Ifer, ça y est, une nouvelle vidéo. On vous l'a promis, petite vidéo qui va changer par rapport à la dernière. On est à petite arrivée. Ouais. Une petite arrivée plutôt. Ouais, plutôt. Ouais. Plutôt ouais. En français, c'est comme ça. Ouais, c'est mieux. Le centurion. Alors, on l'a dit maintes et maintes reprises que le centurion fou, ouais. Qui était fou. On va le tester. On l'a pas ouvert. On n'a pas pris de booster depuis. Comme vous pouvez le voir, on a changé de lieu. Putain, je... Enculé! Donc, on a changé de lieu. Tu vas t'amuser sur le montage, toi. Ah oui. Tu vas t'amuser. Ah putain. Nouveau décor, j'ai changé d'appartement, je l'ai pris avec Léo. On va se paxer bientôt. C'est le titre de la vidéo. On se paxe. Et puis, ça va bien se passer. Oui. Le before? C'est l'heure du before, on peut le dire? S'il faut, c'est la nécessité du before. La nécessité, là ça fait trop longtemps. Là. Ça fait deux semaines qu'on a pas pris de booster et caféine, on était vraiment... 3, 2, 1... Ah, oh, il est beau celui-là. Oui, bravo. Ils montent, apparemment, ils montent vite. Comme le Rocky. N'empêche. Quoi? On prend une scoop ici. Non, mais non. Tu finis un éclair déjà. Si on a fait deux semaines sans booster, c'est pas pour s'exploser le crâne et niquer le récepteur. Pour combien? En un jour. On en prend une dose ici pour le before. Et on prend une dose en arrivant à l'entraînement. Non, mais ça dépendra. Ça va niquer ma journée en fait. Non, ça dépend si, genre, si on sent qu'il n'y a pas... Ah oui, non, mais si vraiment je prends une scoop et que j'arrive là-bas et que je ne ressens rien sentir, je prendrai autre chose, je prendrai du Rocky, tu vois. Si vraiment je sens rien, j'en doute, hein. À mon avis, une scoop, ça va m'arracher la gueule. Tu crois? Ah oui, je suis sûr. C'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on a... Bah oui, il faut pas déconner. Ah, t'es trop gourmand, toi. J'ai envie de le tester, putain. De toute façon, il va falloir le tester dans pas si longtemps que ça, il est à 16h. Dis quelle heure? 15h53. À 16h. À 16h, on prend? À 16h, on prend. À 16h, c'est l'heure du... À César. Ce qui est à César. En fait, on dit les pupilles, mais en fait, tu vois, t'as déjà les pupilles hyper rétractées, hein, après même pas pris de booster. Je suis tombé dedans, mais je peux l'ouvrir ou pas? Ouvre-le. C'est l'heure. Première ouverture. Par contre, je peux pas la dosette. Tu peux prendre un couteau ou une cuillère. C'est canapé. Devant. La porte d'entrée. Derrière. Mes solitaires. Attends. Quoi? Deux scoops. Ils disent de prendre deux scoops. Je te jure. Je te jure que c'est marqué. Ça recommence. Non. Non. Attends, faut bien qu'on lise le truc, mais j'ai l'impression qu'il y a marqué ça. Elle est petite, hein. C'est de la choper, hein. Bon, ah non, elle est pas si petite que ça, c'est une scoop de booster, quoi. T'es sûr qu'il faut prendre deux scoops? Bah attends, je vais lire si c'est en anglais. Ah oui. Alors, for beginner... Alors, pour les débutants, mixer one helping, je sais pas ce que c'est. Si, enfin une scoop. Une scoop, ouais. Avec 2 à 300 ml d'eau et qu'on a 30 minutes. Pour les. Pour les vraiment hardcore. Les, tu vois, les. Ouais, les hardcore. Va dans le mode rage, rage mode, en mixant 2 scoops avec 500 ml 30 minutes avant l'entraînement. Par scoop, c'est bien ça. Toi, tu veux prendre combien? Non, moi je prends pas 2 scoops, c'est bon. Je prends une scoop. Mais attends, rage mode. Ah, ils savent comment nous parler. Ah ouais, ils ont tout compris. Ah, mais oui, c'est 2 scoops. Mais non, mais 2 scoops, ça fait 140 mg de DMA, c'est énorme. On va parler. Non, ça fait 40. Allez, 2 scoops, ça part. 4 mg de Yuen Bin. Une scoop pour le double L. Non, pas pour moi. Moi, je les prends. Ah oui, ça. Et la scoop du rage mode. Un rage mode activé. Deux scoops. Mono. Deux doses. 10 doses. Ah, par contre, il sent bon. Tu veux... Oh, il a l'air fort. Par contre, oh, l'odeur. Très, très fort. Oh. Alors? Je pense que le goût, il est pas mauvais, mais pour une scoop. Ah. Pour deux scoops, c'est hyper fort. Pour le Rage Mode. T'as mis des chapeaux? Ah, faut pas déconner. Hein. Je veux atteindre le Rage Mode, je veux pas atteindre le Dead Mode. Allez, il est l'heure. Le... C'est quoi le mode, le premier mode? Le mode de balfring, je crois. Mode balfring. Mode balfring. Oh ah ouais, j'ai jamais pris un truc aussi fort comme ça. Hein. Je te jure, je crois qu'il commence déjà à monter un peu. Vas-y, allez. Rage mode.
C'est goût pêche ou un truc comme ça, non? Rien à voir avec Blue Sunshine. C'est goût des chiottes. Tiens, fais-moi ça. Ah ouais, ça me... Waouh wow. Je vois l'espace. Oh la vache. T'es sûr qu'il fallait prendre deux scoops? Il nous faut de la musique, là. Ah oui. T'inquiète. Oh non. Arrête pas, le t'inquiète. Ok, ok. Yeah, yeah. Je sens le groove. Oh, c'est toujours la même. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est fort au chocolat. Là, ça donne pour du rocher, la tête. Non, je crois que ça va. Sur les effets là. Oh là là. Incroyable. On a pris une grosse dose de porc aussi là. Petite note de piano. Là t'es pas énervé. Là tu commences à... Tu sens que ça monte un peu là. Tu sens que... Attends mais... Pourquoi j'ai d'autres clés là? Quoi? Pourquoi c'est des clés là? Hein? Mais t'as pris des clés là? Non c'est pas vrai. Oh non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Arthur? Il s'est passé un petit truc. Léo a fait une petite connerie. Non, faut dire que bah, justement, ah, oui, on oui. allait à la salle, sauf qu'on a dû revenir chez moi. Imprévu, enfin bref, on s'en bat les couilles. Ouais, et du coup, ça fait une demi-heure qu'on l'a pris presque. Là, ça fait ouais, une bonne demi-heure qu'on l'a pris, ça fait que de monter, ça ne descend monter. Pas. Ça, c'est on le est pire trop... en pire. On parle c'est, en même on, temps. On, ouais, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'on est sous extasie. C'est incroyable. Franchement, je pense que. Pourquoi y a des... je parle aussi vite? Il y a des drogues qui sont moins fortes que ça, je pense. Mais largement. Ouais. Et on s'est levé du coup pour monter dans mon appart. Mais c'est encore pire qu'on se lève. Hein. C'est. Je sais pas ce que ça va donner la séance, les gars, mais alors là. Non. En fait, le rage mode. Le rage mode. Ah, le rage mode, il est réel, validé. Il est réel. Il est, c'est réel, les gars. Ne prenez pas ça parce que nous, on est habitués. Mais là, franchement, c'est encore pire que les potions. Et s'il y a un petit connard qui me dit qu'il sent rien, je le monte en l'air, c'est pas possible. Ah, c'est impossible de rien sentir là. C'est plus fort que. Le Centurion DMA A, c'est le meilleur pré-workout. Là, on peut dire que c'est l'épisode pré-workout 3. Hein. Ouais. Là, c'est le pré-workout. Pouah ! En fait, comment on pourrait être. Parce qu'il y a un mec qui nous a dit, vous décrivez pas assez les effets. Comment on pourrait décrire une sorte de pression qui monte à la tête. Là, franchement. D'excitation d'aller s'entraîner. De je sais pas comment dire, de motivation extrême quoi. Qu'est-ce que c'est? Genre imaginez que vous allez à un festival, que c'est le festival de votre vie. Ouais. Bah là c'est vraiment notre impression dans notre tête, c'est juste. T'as un niveau de dopamine qui est énorme. Dans le cerveau, c'est tout qui se bouscule. Ah, le sentiment de bien-être, là, il est... Ah ouais, il est camé. Par contre, je sens pas mon bas du corps. Sans plus mes jambes. Ouais, on a un peu ce sentiment d'anesthésie générale du corps. C'est ça, hein? Ah oui, c'est exactement c'est ça. C'est ça, c'est anesthésie locale. Ouais, en fait, c'est de la morphine. Ah oui, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai jamais pris de morphine, mais je pense que. Non, j'en ai pris pas mal. Ah, ok. Franchement, ah ouais, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est vraiment ça. Enfin, ça va, il est 17h, tu vois. Je suis désolé, je te coupe, mais il est 17h, on est à 17h15, on est là-bas, on a 1h34 pour faire notre séance. On est tellement speed qu'on va charger les barres en 2h. Blablabla. Yeah.
fly. Une fin vidéo, c'était pré-workout 3 et c'était incroyable, le meilleur booster qu'on a testé, le plus incroyable, et il tourne encore là dans le sang. Il est tellement fort, comme vous avez pu voir. De toute façon, on est attention à vous, prenez soin de vous, attention au départ. J'espère que ça vous aura plu, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos ça va être encore les prochaines vidéos, les gars, vous êtes... restez connectés comme on dit. Ah, vous êtes pas prêts, hein. On va tout déglinguer.